Bonjour Héloïse Goy. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Le journal 20 minutes lance un plan social, un documentaire sur le nouveau visage de l'antisémitisme en France. Et puis, vous connaissez sûrement à peu près le programme des candidats à la présidentielle, mais connaissez-vous leur programme télé préféré ? Linda Bourras, rédactrice en chef de Téléstar, vous dévoilera en exclusivité des informations souvent étonnantes. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium. En première place, TF1 avec Balthazar. La série est toujours très très puissante. 5 914 000 téléspectateurs. C'est 27,3% du public devant sa télévision. En deuxième place, M6 avec Pékin Express. L'émission connaît une hausse des audiences. Hier, elle a été regardée par 2 millions de téléspectateurs. C'est 11,5% de part d'audience. L'émission était aussi leader sur cible puisqu'elle a convaincu 23% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et puis en troisième place, France 2, un petit score pour Élysée 2022 qui accueillait hier 6 candidats à la présidentielle, dont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et qui n'a attiré que 1 860 000 téléspectateurs, soit 10,7% de part d'audience. Europe 1, Culture Média.